Salut tout le monde, c'est Largement, on se retrouve pour l'épisode 13 de Rogue Legacy. Bon, là j'ai un petit peu avancé sans vous parce que j'ai eu un petit problème de record juste avant, où j'ai juste oublié de record le jeu, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai un peu avancé, j'ai découvert une nouvelle zone, et on va pouvoir l'explorer vu que je viens à peine de la découvrir en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre? Reine des barbares, vous ne voyez pas en 3D. Ok, envoyez des faux qui volent au-dessus de vous. C'est cool ça, les faux, mais le fait de pas voir en 3D, c'est un peu perturbant quand même. Là, on le ressent pas tellement pour le moment. Vu que pour le moment, c'est juste 2D en fait. Mais après, on va peut-être le ressentir un peu plus. Surtout que, non, c'est, oui, c'est le papier en fait. C'est le fait que dès qu'on se tourne, c'est comme un papier. On peut pas voir dès qu'on tourne. Ouais, on voit un mode papier quoi. Et le papier qui se retourne, donc c'est un chouïa embêtant ça. Mais bon, on va essayer de faire avec. Du coup, ce que j'avais fait avant, hop, merde, c'est que j'étais monté par là, tac, tac, et je suis passé par là. Bon, là, je l'ai fait à l'arrache, hop, rapidement, hop, putain. Et c'est pas une bonne idée ce truc. C'est pas une bonne idée du tout. Oh, nickel. Nickel. Ah, si, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que oui, j'avais toujours l'arme. Voilà. Avec mon arme spéciale, je peux. Voilà. Allez, nickel, merci. T'en as eu deux, je crois. Il en a eu deux dans sa tronche, le mec. Il a rien pigé, ce zombie. Du coup, voilà, je suis monté par là. Et puis là, je pensais qu'il y avait une nouvelle zone. Ce qui était vraiment le cas. Là, j'étais bloqué avant, donc j'arrivais pas à survivre, mais j'avais réussi à survivre finalement au bout d'un moment. Et voilà, j'ai découvert déjà, j'ai redécouvert. Je crois que c'est la salle de notre boss de base, avec l'œil, parce que du coup, il était déjà ouverte. Et puis ici, juste à côté, voilà, le nouveau monde. Où là, c'est bien plus compliqué. On a même ce type de boss, du coup, enfin, ce type de monstre. Tac. Oh putain, il y a des faux coffres. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Je suis jamais monté. Si, je suis déjà monté par là. Ok, on va foncer par là. Ouais. Ouais, non. Putain, oui, merde, c'est. Ouais, c'est comme le boss, mais là, en fait, il nous tue dès le début. Parce que nous, on a aucune protection. Parce qu'il y a un boss avec un crâne. Oh putain, il y a un géant là. Il y a un boss avec un crâne. Et du coup, bah. Ce boss avec le crâne est quand même plutôt compliqué. Je crois que c'est le dernier qu'on affronte, normalement. Donc là, on a trouvé une salle de boss. Je sais pas si on peut trouver les autres alors qu'on l'a pas encore fini le premier. Donc à la limite, on va essayer de l'attaquer là. On va essayer d'attaquer le premier boss. Donc qui se trouve juste. Hop. Juste en haut. Non, pas là, voilà, ici. En haut. Et du coup, on va foncer sur lui. Et essayer de le... Oh, putain, non, c'est en haut. Voilà. J'ai pas envie de... Genre, si c'est trop violent en bah, bas, ouais. J'ai envie de le démonter. J'ai l'attaque des couteaux. Ok. Et là, quoi qu'il arrive, je peux l'attaquer même là. Ok. Oula. Oula, oula. Allez, vas-y. Prends-toi ça. Ok, prends-toi ça. Il n'y a pas le truc pour figer le temps. Mais dans l'idée, hop, je devrais y arriver comme ça. Hop. Aïe. J'ai combien de vie? 85. Ok. Merde. Oh putain. Ouais, comme ça. C'est plutôt compliqué. Merde. Putain, j'aime pas ça. Non, putain, il m'a tué comme ça. Ok, il faut le mec qui ralentit le temps en fait. Ah, ce truc-là, celui-là avec celui qui ralentit le temps, ça doit être le combo parfait peut-être. Est-ce qu'on a sort poignard, sort faux? Ouais, ok. Ok, on va prendre le sort de faux pour essayer de l'attaquer. Je pense pas c'est le plus efficace, mais bon, on va tester ça et puis c'est celui que je pense le plus efficace parmi ceux qui me proposaient. Parce que, enfin, parce que en gros, je trouve que... Ah, oh, putain, non, il va vite.
Ouais, en vrai, il a l'avantage d'aller vite, mais le truc c'est que après il a pas le truc pour arrêter le temps, et le truc pour arrêter le temps c'est vraiment genre hyper utile. Voilà, putain, c'est hyper rapide quand même. Et on monte à notre boss, donc là je pourrais me faire démonter par voilà. Ici, on monte direct. Et alors, notre petit boss. Hop, j'ai envie de le démonter, voilà. Donc, à la limite, la prochaine fois, peut-être pas là, je crois que j'ai pas le temps en plus. Je ferai des ellipses pour essayer de le battre. Putain, mais tu me lances cette attaque dès le début? Non, en plus, je suis minuscule, je peux pas t'attaquer de partout. C'est abusé. Voilà, je suis obligé d'être là pour t'attaquer. Hop. 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 Et ouais, bon, là, c'est pire. C'est pire pour attaquer. Ok, c'est bien pire que l'autre. Le gigantisme est bien meilleur. Voilà. Merde, j'ai foncé dedans. Le gigantisme est bien meilleur, putain. Il faut un gigantisme avec sort pour ralentir le temps, en fait. Parce que c'est le meilleur à avoir. Le meilleur, le chakram, je sais pas trop à quoi il va servir là-dedans. Et il voit flou, mais en vrai, on a pas besoin de voir hyper loin avec ce boss-là. Et même les boss en général, parce que bah c'est une salle fermée. Donc en général. Les autres, je sais pas si c'est une salle fermée. Mais même si c'est une salle ouverte, il y a le design de jeu qui fait que c'est fermé en fait. On peut pas se barrer quand même. Donc voilà. Ah, du moment qu'on peut pas se balader dans une salle énorme, comme par exemple celle-là en fait est assez grande. Mais pourquoi je vais là d'ailleurs? Mais du coup, du moment qu'on va pas se balader dans une grande salle, ça va. Et puis là, du coup, c'est pas une grande salle non plus. Hop, si on va au boss, c'est pas une grande salle. Hop, nickel. Et voilà. Donc là, il y a toujours le coffre ouvert. Bon, je l'avais ouvert avant, je crois, dans la partie où j'avais pas filmé l'écran. Mais du coup, les coffres, il faudrait peut-être que je fasse gaffe à les ouvrir. Ah, ce truc-là, ok. Au bon moment quoi. Oh si, le chakram est utile. Le chakram est utile. Par contre, il me faut beaucoup de MP. Voilà, il m'en faut beaucoup. Mais si, il est utile. Ok. Hop. Hop. Nickel. Et hop. Oh putain. Putain, putain, putain. Hop, en vrai, il consomme pas trop en plus. Il consomme pas trop le chakram. Voilà. Enfin, mon sort. Merde. Oh, yes. Ok, merde. Putain, non, je suis. Oh putain. Je suis mort comme ça. Ah! J'avais pas assez de vie, quoi. Putain, j'aurais pu l'avoir, ça. J'ai pas trop fait gaffe à la vie à la fin. Mais je crois qu'il était plus beaucoup non plus. C'est chiant. Statistique faible. Char sur patte. Ok. Votre héroïne de base, bonne dans tous les domaines. Bouclier de cœur. Ok. On va prendre celle-là. Parce que bon, le mec qui fait un cadrage, je sais pas à quoi il va nous servir en fait. Donc on va garder. Essayer de prendre une valeur sûre quand même. Même si, bon, l'attaque spéciale n'est pas ouf non plus. L'attaque spéciale, c'est juste des armes qu'on envoie une fois. Et du coup, il n'y a pas le retour comme l'autre arme. Et l'autre arme, franchement, je sais plus comment elle s'appelle, mais la roue, espèce de roue ronde qui revient, le boomerang, c'est putain d'utile. Franchement, c'est même mieux que le truc pour ralentir le temps. Même mieux que ça, parce que du coup on peut le spam plusieurs fois. Après il faut pas le perso trop grand du coup pour attaquer avec. Voilà. Putain. Ouais, ok. Je vais mourir dès le début. Là, voilà, je vais mourir dès le début. Je peux spam, essayer de spam, mais ça va pas faire grand chose. Et je crois qu'ils ont pas de. Je crois que les boss n'ont pas de. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. C'est voilà, c'est un truc quand même.
J'étais en train de me faire poursuivre et voilà, limite en train de... Merde! Ok, j'ai mal géré ici. Je suis tombé juste bah, là où le... où sa larme tombait. Ah, ralenti le temps. Voilà, parfait. Et puissante jeteuse de sort, ok, bon, c'est pas à marquer grand chose de plus. Ce qui m'intéresse, c'est juste arrêter le temps. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'architecte dès qu'on arrête le temps? Oui! Ah putain, ça fonctionne quand même, il y a quand même la cinématique. Ok. Bon, j'espère que ça a vraiment fonctionné. J'arrête le temps en lobby et ça tourne mal. Non, je... Ok. Ok, nickel. Ça a l'air de bien charger. J'espère que après ça ne l'aura pas déchargé. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on espère. Parce que j'ai pas envie de finir comme ça, quoi. Ok. Donc, l'arme spéciale. Ok. Hop. On va se la garder pour je sais pas quand. Putain. Non, mais oh, pas cette merde. Putain. Allez. 1, 2, 3. Hop, on spam. Hop. Allez, spam. Merde. Ah ouais, mais du coup, là, c'est une compétence qui fait venir à zéro après en compétence spéciale. Et ah, non, c'est pas la meilleure. C'est non, ouais, voilà, vous voyez, en plus, je suis mort. En fait, je suis mort, je sais, presque pas la meilleure du tout. C'est pas du tout la meilleure, celle-là. Bon, ok. Alors, on va prendre. Descendre. Ah, non, je sais pas gérer. Bon, vas-y, on va tester. Même si je sais pas gérer, je vais tester parce que les autres m'inspirent pas trop non plus. Donc, je peux tester. Oh, là, il y a une zone d'ombre. Je peux le tester quand même, même si les autres m'inspirent pas confiance. Parce que, du coup, en soi, c'est celui qui irait le mieux. 5 MP pour la capacité, j'en ai 81 au total. Donc, je peux l'utiliser plusieurs fois. Je crois que c'est juste dès qu'on pose. Ah non, dès qu'on se téléporte à l'endroit où on a posé que ça va utiliser. Sinon, ça va pas encore utiliser la compétence. Parce que là, c'est une attaque spéciale, du coup, c'est. C'est pas comme les autres attaques. Enfin, en vrai, ça peut aussi être attaque spéciale. Mais c'est une attaque spéciale spéciale. Dans le genre où. Ou si on l'utilise, du coup, bah, faut d'abord l'utiliser une fois pour poser son point de réapparition. Voilà. Ah, je sais où le mettre. Ok, je sais. Je sais comment le gérer. Tac. Voilà, parfait. Aïe. Ouais. Nickel. Merde. Nickel. Hop. Oh merde. Merde. Putain. Voilà, parce que là, j'allais me faire attaquer. Putain, non, ouais. C'est un peu galère quand même. Je reste un peu trop proche de l'endroit où j'ai envie d'être. Enfin, de l'endroit où je suis censé être protégé, quoi. Enfin, où je suis censé attaquer le mec. Enfin, le mob, le boss, quoi. Je reste un peu trop près, quoi. Parce que du coup, je reste collé limite à lui. Même l'ombre, je la bouge pas. Je bouge pas du coin. C'est dangereux, quoi. C'est hyper dangereux pour attaquer le monstre. Enfin, le boss, putain. J'ai trop les réflexes de Minecraft où je joue beaucoup trop souvent. Où j'ai beaucoup trop joué. J'ai beaucoup trop les réflexes de parler avec ce langage-là. C'est abusé. Bon. Alors. Mon petit boss qui s'appelle Kidre. Le Kidre. Moi, j'ai envie de te tuer. Le prochain épisode, je l'aurai tué parce que je vais... Hop, merde. Oh! Il fait des insultes. Ok, mais on les voit pas vu que c'est flou. Hop. Ah, putain, ça rebondit, mais pas beaucoup. Oh, si. Ouais, mais... Wow, putain, je suis mort, en fait, dès le début. Et là, il lâche des insultes dès qu'il meurt. C'est un rageux. Et... Oh, voilà, on va tester celui-là. En dernier. Et ce sera tout après pour cette vidéo. Bon, l'enchantresse, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de... Voilà. 175, on n'a pas de rune course épée, obtenir la capacité d'accélérer pendant courte distance. Bah, je sais pas à quoi ça me sert, là, pour le moment. Surtout avec un boss comme ça va pas me servir à grand-chose. Parce que, en soi, c'est plus le fait de attaquer... Je pense, c'est plus le fait d'attaquer vite.
Parce que comme ça, on peut enchaîner les coups, le matraquer quand on est devant lui en train de l'attaquer. On peut le matraquer de coups. Et puis on lui fait descendre sa vie au max. Et puis voilà. Bon, avec lui, du coup, avec le géant, si on a en plus cette capacité, c'est énorme. Parce qu'avec le géant, du coup, il l'atteint quoi qu'il arrive. Là, je peux l'attaquer où que je sois quasiment. Même en dessous, là. Là, je l'attaque, voilà, que je suis en dessous. Voilà. Merde. Par contre, là, il faut peut-être gérer. Hop. Les déplacements. Tac, 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 tac. Ok. Ok, hop. Certes, je peux faire plus de déplacements et tout. Mais faut quand même. Putain. Faut quand même. Ok. Pas oublier à. Merde. C'est juste un. Putain. Ok, je l'ai mal géré. C'est quand même juste un. Merde. C'est. Putain, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. D'ailleurs, moi j'ai réglé le son de Rogue Legacy normalement. S'il est trop faible, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, je le verrai aussi au montage. Normalement, il est moins fort que la dernière fois où c'était vraiment trop fort. Donc voilà, donc c'est si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Largo. Tchuss!